Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo, tout d'abord en vous souhaitant un excellent week-end à vous tous et à vous toutes. Voilà, et donc cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau Honda Forza hein, que j'ai reçu là, et eh bien il y a quelques heures. Hein, voilà, donc je tenais à vous le présenter parce que voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et bien entendu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous présente mon nouveau bébé Honda Forza 350, qui est déjà à la maison. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est quelque chose d'infiniment petit qui doit faire grosso modo 3 cm à la louche, qui est posé sur une télécommande. Et je vous laisse apprécier quand même le détail. Alors, je vous fais quand même la vidéo avec bon avec un iPhone, hein, quoi, non, rien de particulier. Vous remarquerez les détails où ils ont mis carrément des amortisseurs à gaz. Hein, je ne sais pas si vous le voyez à l'image. Voilà. Mais je trouve que vu, franchement, c'est vraiment fou, fou, fou. C'est 3 cm, hein, je vous assure, grand max. Hein, je dirais plus 2,5 cm, 3, hein, on va être généreux. Hein, mais regardez-moi ce détail. J'ai trouvé que c'est assez opportun. Alors apparemment, c'est fait avec de la résine, d'après ce que j'ai compris. Hein. Voilà. Et je trouve cela vraiment, vraiment excellent. Et vraiment très très bien fait et réalisé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'en prendrai peut-être un autre parce que, enfin, c'est vraiment microscopique, c'est assez fou quoi. En fait, voilà. Et j'ai trouvé ça assez funky. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, je vais mettre une cigarette à côté parce que tout le monde sait plus ou moins la taille d'une cigarette. Voilà, alors, hop là, voilà, et une cigarette classique. Même si je vous rappelle que de fumer, c'est pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Mais voilà, grosso modo, c'est long comme un filtre à cigarette. Voilà, donc cette petite originalité que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, ça, c'est vraiment, ça vaut rien du tout. Ça vaut 2,50 €. Et j'ai trouvé ça assez excellent parce que je n'avais pas encore vu de miniature de Forza 350 et surtout aussi bien réalisée. Hein. Imaginez. Les détails, ça fait même pas 3 cm le truc. C'est une dinguerie. Donc voilà, voilou. Et puis bah, je vous souhaite un excellent week-end. À vous tous et à vous toutes. Ciao, ciao. Bye bye.